marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre maintenant dans cette émission. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, en ce jour du 31 décembre 2021, nous venons partager avec vous ce thème important en ce qui concerne le démon du mois de janvier. Parlons du démon du mois de janvier. Pourquoi voulons-nous parler des démons du mois de janvier? C'est simplement pour sensibiliser les enfants de Dieu, leur ouvrir les yeux, qu'ils comprennent que chaque mois est contrôlé par un démon, c'est-à-dire les 12 mois de l'année que vous et moi traversons ont été confiés par 12 démons, par Satan lui-même qui a eu à mandater 12 esprits afin de pouvoir patronner ce mois, c'est-à-dire le gouverner, l'influencer selon la programmation, les plans, les stratégies élaboré par le royaume de Satan depuis le monde des ténèbres. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître cela. C'est pourquoi dans nos émissions précédentes, il y a une rubrique que nous avons ouverte, que nous avons intitulée « Les mystères spirituels de l'année ». C'est là-bas nous sommes en train d'entrer en profondeur. Vous pouvez suivre dans d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, Véracité KTN, tapez les mystères spirituels de l'année. Vous allez découvrir d'autres choses. Mais ici, nous parlons spécialement du démon du mois de janvier. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de comprendre d'où provient la nomination des mois que nous utilisons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, différents abonnés YouTube, je vous prie de me donner votre attention pour suivre ce que nous allons partager avec vous parce que ce sont des révélations, des choses spirituelles qui échappent à bon nombre d'entre nous, à bon nombre d'églises, des serviteurs de Dieu, autrement dit des chrétiens. Alors, en ce qui concerne la nomination des mois que nous utilisons, devons comprendre que nous, naturellement les nations, nous utilisons le calendrier que nous appelons couramment romain, c'est-à-dire le calendrier institué par les Romains. Alors, le calendrier institué par les Romains, c'est un calendrier qui comporte également 12 mois, mais autrefois, ce calendrier de 12 mois avait des noms qui ont été donnés, mais le calendrier que nous utilisons actuellement, c'est-à-dire le calendrier romain que nous utilisons actuellement est appelé le calendrier julien. Pourquoi calendrier julien? Parce que c'est un calendrier qui a été élaboré ou donné par un empereur que vous connaissez, l'empereur appelé Jules César. C'est lui qui a eu à apporter une modification sur les calendriers romains et c'est à base désormais du calendrier qu'il a mis à jour que le monde entier calcule le déroulement des années. Alors, c'est précisément le 1er janvier de l'an 45 avant Jésus-Christ que Jules César a eu à changer le calendrier en l'amenant au calendrier julien. Je reprends, c'est le 1er janvier de l'an 45 avant Jésus-Christ que l'empereur romain
Jules César a eu à imposer au monde romain son calendrier appelé calendrier julien. Et non seulement qu'il a modifié le calendrier pour celui du calendrier julien, Jules César a imposé dans son nouveau calendrier le mois de janvier comme étant le début du mois de l'année. Or, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, chers abonnés YouTube, vous devez savoir que avant cette modification ou ce changement apporté par Jules César, les Romains commençaient le début de l'année au mois de mars, comme le faisaient également les Juifs, d'après Exode 12, du premier jusqu'au sixième verset. Voilà, vous remarquerez dans ce passage d'Exode 12, du premier au sixième verset, c'est Dieu lui-même qui institua le calendrier pour son peuple Israël, et cela à leur sortie, excusez-moi, cela à leur sortie de l'Égypte. Dieu va leur dire que pour vous, mon peuple Israël, ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Nissan ou le mois d'Abib, qui correspond chez nous, les non-juifs, au mois de mars, Dieu va conditionner cela pour leur dire que pour vous qui êtes le peuple de Dieu, le premier mois de l'année sera le premier mois de l'année sera le mois de mars. C'est autrement dit, aux yeux de Dieu, l'année doit commencer à partir du mois de mars. Contrairement à Dieu, l'empereur romain Jules César va enlever cette loi qui est également pratiquée par les Romains pour imposer à la place du mois de mars le mois de janvier comme étant désormais le premier mois de l'année. C'est ce qui fait que jusqu'à nos jours, le mois de janvier soit utilisé comme le premier mois de l'année. Autrement dit, le mois qui inaugure l'année nouvelle. Voilà pour la petite histoire du mois de janvier, l'institution du mois de janvier comme premier mois de l'année. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que signifie, nous parlons du deuxième point, que signifie le nom janvier? Le nom janvier, c'est le nom d'un démon, disons d'une divinité, que les Romains appelaient Janus, Janus ou Janus, que les Grecs appelaient par Chronos. La signification de Janus chez les Romains signifie simplement la porte. Donc, le nom du démon Janus, c'est-à-dire qui donne en français janvier, signifie la porte. Je reprends. Le mot janvier signifie la porte et c'est le nom d'un démon que les Romains appelaient Janus et les Grecs par Chronos. Alors, chaque mois, d'après la classification de Jules César, chaque mois va donc porter un nom. Un nom sur le plan physique, un nom sur le plan physique, et parmi ces noms, il y aura des démons que les Romains vont consigner pour ce mois, pour contrôler ce mois. Dans le monde de Satan aussi, il y aura des démons qui seront consignés également pour gérer et diriger ce mois. Mais en ce qui nous concerne pour cette émission, nous nous focalisons sur le démon de janvier. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ce démon du mois de janvier, appelé Janus ou Chronos, n'est pas un démon étranger dans la Bible. La Bible aussi parle de ce démon. La Bible parle de ce démon-là. Et dans la Bible, il a un nom. La Bible, ce démon de janvier, qui est Janus ou Chronos, dans la Bible, il est appelé
par Bélial. Je sais que vous connaissez ce nom dans la Bible. On parle du démon Bélial. Donc, sachez que le démon qui contrôle le mois de janvier, les démons on l'appelle janvier, plutôt les Romains l'appellent janvier, les Grecs Chronos, et dans la Bible, il est appelé Bélial. Nous allons lire un passage pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, le verset 15. 2 Corinthiens 6, le verset 15, l'apôtre Paul dit ceci. Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Je lis dans ma version David Martin. Et dans les versions habituelles, on dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Je me limite à la première partie de ce passage. Donc, on dit, Paul montre ici déjà qu'il n'y a pas de rapport entre Jésus et Bélial. Donc, voilà en ce qui concerne le nom biblique de ce démon de janvier qui est Bélial. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le nom Bélial, comme nous avons défini le nom janvier, qui signifie porte, le nom Bélial à son tour signifie simplement malfaisant, pervers, vaurien, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la malfaisance. Parce que le mot Bélial de l'hébreu, ça c'est Béli Yahal. Béli Yahal, qui signifie malfaisant, vaurien, impie, pervers, inutile. Donc tout ce qui a trait à la perversion, tout ce qui a trait, autrement dit, au maléfisme. C'est ce que signifie le nom Bélial. Et ce nom a des variants. Dans certaines tribus, on dit Béliard et dans d'autres Bélias. Voyez-vous? C'est ce que signifie ce nom de la signification de ce démon Bélial. Alors, le démon de janvier, Janus, Chronos ou Bélial, est un démon qui a des missions dans le monde des ténèbres. Mais ici, nous allons expliquer certaines de ces missions pour que chacun de vous prenne conscience du danger ou des plans que Satan a mis en place, qu'il attend dans ce mois de janvier. Rappelez-vous d'abord que Bélial est également un démon qui occupe des hautes fonctions dans le monde pandémonium. Il fait partie de la catégorie des démons qu'on appelle des princes des ténèbres. C'est pourquoi, si nous lisons dans Éphésiens 6, 12, il y a un mot qui a été dit concernant ces démons. Éphésiens 6, verset 12. Vous pouvez également lire dans votre Bible. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle en citant certaines catégorie des démons, il dit ceci, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, autrement dit, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans le lieu céleste. Alors, dans ma version, il est dit contre les seigneurs du monde, des ténèbres de ce siècle. Dans d'autres versions, le mot les seigneurs est remplacé par les princes de ce monde des ténèbres. Donc, parmi ces princes du monde des ténèbres, il existe Bélial en fait partie. Il en fait partie intégralement. Et Bélial, c'est le démon de la tromperie et des ténèbres. Donc, il fait partie des esprits qui ont pour mission d'induire les gens dans la tromperie, de pousser les gens dans les erreurs, de pousser les gens dans le faux, afin de pouvoir placer en eux les ténèbres. Voilà la première fonction du démon Bélial, autrement dit, la mission du démon de janvier pour le mois de janvier. Je vais encore vous informer, bien-aimés, en ce qui concerne le rang en dehors de cette position de prince que le démon Bélial occupe dans le monde de Pandémonium, le démon Bélial, dans ce qu'on peut appeler
Le gouvernement de Satan occupe également une place de choix. Je parle du gouvernement de Satan. Vous devez comprendre que tout comme sans le gouvernement humain, Satan aussi a son gouvernement. Le gouvernement de Satan change de disposition par rapport aux noms qui sont donnés. Vous remarquerez, dans le monde de Satan, il y a un gouvernement de Satan qu'on appelle le gouvernement, comment on appelle, le gouvernement politique de Satan. Ce gouvernement politique de Satan a une structuration aussi. Il y a ce qu'on appelle le gouvernement de Satan, tout court. Ça aussi, il y a une autre disposition également par rapport aux fonctions. Et il y a aussi dans ce même gouvernement d'autres fonctions ou rangs qui sont réservés à une certaine catégorie de démons. C'est comme, dirait-on, dans un gouvernement, vous avez des ministres, les postes de ministres, de premiers ministres, vous avez des ministres d'État, vous avez des députés, des sénateurs. C'est la même chose également avec Satan. Donc chaque portion ou chaque rang qu'il organise dans son gouvernement constitue une base solide pour combattre les enfants de Dieu sur la terre. Parce que le combat de Satan, ce n'est pas contre les païens, ce n'est pas contre tout le monde, mais c'est simplement contre ceux qui portent en eux l'esprit de Jésus-Christ, autrement appelé le Saint-Esprit. Alors, je disais, dans certaines organisations du monde pandémonium, pas les moindres, mais dans les hauts, certaines hautes fonctions, il y a quatre démons qui occupent également des hautes fonctions et qui sont craints, puissamment craints dans le monde des ténèbres. Ces quatre démons sont Lucifer, Satan. Je dis Lucifer, Satan. Qui est Lucifer, Satan? Lucifer, Satan, c'est ce démon que vous et nous avons souvent l'habitude d'appeler le diable ou Lucifer, c'est-à-dire l'ange déchu qui a entraîné dans sa révolte d'autres esprits. C'est celui-là que nous appelons, porte le nom de Lucifer Satan. C'est de la sorte qu'il est appelé dans son gouvernement, Lucifer Satan. En deuxième position vient un autre démon qu'on appelle Satan. Ici, je voudrais attirer l'attention. C'est là où ça embrouille certains enfants de Dieu lorsqu'ils lisent la Bible. Ils pensent que partout où dans la Bible on emploie le mot Satan, qu'il s'agit forcément du démon ou du diable comme tel. Non, bien-aimé. Sachez que dans le monde de Satan, il y a une différence entre le diable, qu'on appelle dans le monde de Satan Lucifer, Satan. Ça, c'est Satan. Mais il y a un démon spécialement qui porte que le nom de Satan. C'est pas le diable, mais c'est un démon qui porte le nom de Satan. Ce démon occupe la deuxième position. Après, en troisième position vient un autre démon qu'on appelle le Léviathan. Vous connaissez le Léviathan. Ésaïe en parle, le livre de Job en parle, qui est le monstre marin. Le jour viendra, nous parlerons du Léviathan, qui gère le monde sous-marine dans le domaine de la technologie et bien d'autres éléments encore liés à la science. Et en quatrième position vient ce démon dont nous sommes en train de parler, le démon Bélial. Voyez-vous déjà que dans le monde de Satan, Bélial est un démon géant qui a une haute autorité. Et je comprends pour quelle raison Satan lui a donné la gouvernance du mois de janvier, qui est le début même du mois de l'année, c'est-à-dire le mois qui nous introduit dans la nouvelle année. Satan donne ce mois au démon Bélial, ce n'est pas en vain, c'est pour une cause. Alors, bien-aimés, parlons toujours des fonctions du démon Bélial. Vous devez savoir que le démon Bélial, c'est lui le démon qui a poussé Dieu à détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous poserez sûrement la question, comment? C'est ce démon-là qui, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, jouait le rôle du dieu de l'homosexualité. C'est ce que ce démon faisait. C'était lui. Lorsque vous entendez parler de l'homosexualité
à l'époque de Sodome et Gomorre, dans cette ville, c'est lui la principauté qui imposait aux gens ce mode de vie de l'homosexualité où les hommes couchaient entre eux et les femmes entre elles. Nous connaissons l'histoire dans Genèse 19 avec Lot. Vous connaissez cette histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, lisez Genèse 19, vous allez comprendre l'histoire de Lot et de Sodome et de Gomorre. D'ailleurs, dans Jésus-Christ, dans ses propos, en ce qui concerne les signes qui devraient annoncer son retour, a même également parlé de cet événement pour dire qu'avant que le Fils de l'homme ne revienne, ce qui a été au temps de Lot sera de même au temps du Fils de l'homme. Déjà ici, Jésus nous informe que parmi les signes qui annoncent son retour, l'homosexualité en fera partie. Autrement dit, parmi les signes qui vont annoncer aux enfants de Dieu que le temps du retour de Jésus est proche, sera la sexualité pour tous. Ce que nous voyons aujourd'hui, cette vulgarisation que nous voyons aujourd'hui, de l'imposition même de l'homosexualité dans toutes les nations possibles. C'est que certains s'étonneraient, mais ce n'est que de la pure vérité. Donc, à Sodome, c'est ce démon Bélial, ce démon de janvier, qui influençait des gens, qui envoûtait les gens pour que les gens puissent se sodomiser, pour que l'homosexualité puisse régner dans cette ville. Et nous savons quelle a été la fin de Sodome et de Gomorre. Donc, le démon Bélial est aussi le démon de l'homosexualité. Il est le démon qui gère également les esprits de la perversion sexuelle. Lorsque vous regardez le culte de l'homosexualité, comprenez que parmi les divinités qui sont adorées dans cette pratique, il y a le démon de janvier qui est le démon Bélial. Je viens ici simplement pour vous informer, pour que vous sachiez comment prendre possession de votre moi. Alors, le démon Bélial, il est aussi le démon qui procure la renommée. Il est le démon de la charité. Il est le démon qui donne également de l'habileté et le démon qui pourvoit aux besoins de toutes les personnes qui sont sous son influence, c'est-à-dire de toutes les personnes qui vont faire un pacte avec lui. Je reprends. Le démon Bélial est également le démon de la charité, de l'habileté dans les services, dans les arts et autres, et le démon qui vient au secours de tous ceux qui ont une alliance satanique avec lui. J'espère que je me fais comprendre. Il est également le démon de la charité. C'est-à-dire, il donne aussi des valeurs. Il donne aussi des dignités, il élève aussi, il donne des promotions aussi, il rend aussi célèbres tous ceux qui sont avec lui. Pour vous en convaincre, posez-vous la question. Cela a commencé depuis les temps anciens et jusqu'à nos jours. Pour aujourd'hui, pour devenir une grande star, pour avoir beaucoup de renommée, il y a un principe. Parmi les autres principes ou conditions qui ont été mises, il y a un principe actuellement qui bande, un principe actuellement qui fait rage, c'est celui d'être homosexuel. Regardez les joueurs, regardez les musiciens, regardez les artistes aujourd'hui dans le monde, vous verrez que la plupart d'entre eux sont obligés de se laisser coucher par l'anus par d'autres hommes. Si ce sont des hommes, si c'est une femme, par d'autres femmes, etc. Et c'est toute une perversion sexuelle qui est en train de gagner le monde de la célébrité, ou le monde des arts, ou le monde des affaires. Et ceci n'est plus quelque chose de caché. N'est plus quelque chose de caché. Donc si l'ONU s'est permis d'introduire l'homosexualité comme faisant partie intégrante de la vie normale des êtres humains, comprenez déjà quel est le message et quel est le rôle que l'ONU joue sur le plan satanique. Cela devrait attirer notre attention.
nous ne faisons pas un enseignement sur l'homosexualité, mais nous sommes simplement en train de vous informer de ces différentes réalités afin que chacun de vous comprenne que la mouvance de la sexualité qui gagne actuellement le monde est une mouvance du monde des ténèbres qui est patronnée par le démon Bélial, qui est le démon Janus, le démon qui contrôle le mois de janvier. Alors, c'est lorsque ce démon Bélial prend la forme de Janus, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans son appellation de Janus, qui signifie porte, autrement dit passage du temps, ou le portier, ou porte tout simplement, c'est là que ce démon joue son rôle de dieu de la charité. Vous savez, lorsque je parle de la charité, le dieu de l'amour, c'est-à-dire une divinité qui vient accorder des faveurs à ses adeptes, à ses adorateurs. C'est ici que nous allons expliquer les réalités de ce mois de janvier. Puisque Janus signifie passage du temps ou le portier, donc c'est ce démon qui a les clés pour introduire le monde dans une année nouvelle. Donc, pour que les humains puissent accéder au nouvel an, ils sont obligés de passer par le dieu Janus, c'est-à-dire le démon Bélial. Parce que c'est ce démon qui doit leur donner l'accès. Alors, bien-aimés, voyez-vous déjà le grand danger qui nous guette lorsque nous passons du 31 décembre pour le 1er janvier. Cette transition-là, où le démon de décembre, qui est le dieu Moloch, il fait une passation de service et il transfère toutes ces informations du mois de décembre, certaines missions inachevées, il les donne au démon de janvier, qui est le démon Bélial ou Janus. Pour comprendre ce mystère, dans notre prédication sur les mystères de l'année, nous avons parlé de cela. D'après le puissant 19, vous allez comprendre du premier, je crois, jusqu'au sixième verset. Le puissant 19, premier au sixième verset, explique ce mystère de passation des services entre les années, les jours et les mois. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ici, le démon Janus, démon Bélial, prenant la forme de Janus, il devient donc le portier qui doit vous introduire dans le nouvel an. Cela doit attirer votre attention. C'est là qu'il joue son rôle du dieu de la charité. Donc, toi, pour entrer dans le mois, la nouvelle année, il te faudra se soumettre aux exigences de ce démon. Et c'est là que, parmi ses fonctions, on dit, il est le dieu des commencements et des fins. Comprenez-vous? Donc, c'est lui qui inaugure l'année, et l'année également est censée se terminer avec lui. Ça vous étonne, on dirait. Autrement dit, parmi tous les démons des mois de l'année, les 12 mois, les démons des 12 mois, Janus est celui qui donne l'accès au reste des démons, et c'est aussi lui qui clôture. Donc, si nous comprenons bien dans le monde satanique, c'est le démon Janus, dès que nous terminons le 31, c'est lui qui bloque les années et c'est lui qui ouvre une nouvelle année. Donc, il bloque l'année qui s'achève pour ouvrir la nouvelle année. C'est pourquoi vous remarquerez que sur les vêtements du pape, il a derrière lui, il y a un dessin des clés qu'on trempe d'être des clés de pierre, de l'apôtre Pierre, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec les clés que Jésus a remis à Pierre. Tous les satanistes savent ce que je dis ici. Ces clés que porte le pape sont les clés du démon Bélial, du dieu de janvier. Ce sont ces clés-là qui permettent d'ouvrir et de fermer. Parce que je vous rappelle, le pape est un démon qui représente, c'est un sataniste de haut niveau qui représente tous les humains devant Satan dans le monde pandémonium. Alors, bien-aimé, pour passer au nouvel an, tu dois te soumettre aux exigences du démon Janus. Mais pourquoi ce changement?
Jules César, lorsqu'il imposait que janvier soit le premier mois de l'année, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Alors que les Romains respectaient ce que Dieu avait dit dans Exode 12, du 1er au 6e verset, que le premier mois de l'année devait être le mois de mars, le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'était le calendrier spirituel, autrement dit religieux, que Dieu avait institué. Donc pour Dieu, son peuple Israël devait inaugurer l'année avec la religion. Autrement dit, l'année devait être préparée, inaugurée, s'introduire au moyen de la puissance spirituelle qui provient de lui. Voilà pourquoi vous remarquerez dans Exode 12, si vous lisez bien, pour que Israël inaugure cette année leur nouvel an, en sortant de l'Égypte, de la captivité, il leur fallait tuer un agneau. Vous le savez. Et c'est même là que Dieu institue la fête de la Pâque. Or, le mot Pâque signifie passage. Comprenez-vous? Donc, Dieu lie le commencement de l'année avec la fête de la Pâque qui signifie passage. Remarquez que le nom Janus signifie également passage. Pour dire que Satan, voulant contredire Dieu, voulant s'opposer à l'œuvre de Dieu en ce qui concerne le nouvel an, a eu également à créer un élément pour empêcher les gens de bénéficier des bienfaits spirituels de Dieu sur le nouvel an. Voilà pourquoi ça ne nous étonne pas. Vous remarquerez qu'au nouvel an, les gens fêtent une nouvelle année. Les gens sont heureux, mais ce qui se passe, ce ne sont pas des choses qui plaisent au Seigneur. On fait toujours des choses qui sont contraires à Dieu. Alors qu'en instituant le nouvel an, Dieu a imposé que le peuple devait célébrer également la Pâque, cette nuit de leur sortie. Pour dire quoi? Que nous devions commencer l'année avec Dieu, c'est-à-dire avec l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est notre Pâque. C'est lui, l'agneau immolé que Dieu a envoyé pour nous délivrer de l'Égypte spirituelle qui est le monde, autrement dit le monde pandémonium. C'est pour cette raison, ma sœur, mon frère, toi qui rentres dans la nouvelle année, prends conscience. Si tu n'as pas Jésus, sache que ton intronisation dans le nouvel an a été autorisé par un démon, un faux dieu qui est Janus Bélial. Autrement dit, en rentrant dans le nouvel an sans Christ, ta vie sera influencée par des démons. Parce que le démon du premier mois qui inaugure le démon Janus t'a déjà marqué de ton sceau pour dire que tu seras influencé. C'est pourquoi il est important de savoir comment prendre soin de chaque mois qui commence. Le mois de janvier déjà, nous y sommes, prenez le soin de consacrer, de combattre l'influence du démon Janus. À la place, mettez l'anneau de Dieu Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il doit être le commencement de ton année et la fin de ton année. Afin que toutes les ruses, les stratégies que Satan a mis en place puisse être sans effet à ton égard. J'espère que, bien aimé, vous qui me suivez, vous comprendrez. Vous êtes en train de comprendre mon langage. Parce que l'objectif du passage obligé auprès de ce démon Janus est d'imposer la programmation mentale satanique à tous les niveaux dans la vie des enfants de Dieu. Il doit imposer ça. En fait, tu deviens, en rentrant dans le nouvel an avec, sous l'influence du démon de janvier, démon Janus ou Bélial, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas sur toi la couverture spirituelle de Jésus, sache que, en ce qui concerne ta vitesse spirituelle, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude
d'appeler par les portes d'entrée spirituelles, sache que les clés de toutes tes portes ont déjà été ravies par le discernement Bélial. Et c'est lui qui ouvre pour imposer dans tout ton être une programmation mentale satanique dans tous les domaines de la vie. Je m'explique. Toute ta vie, ta conduite, ce que tu vas faire sera conditionné aux événements, sera conditionné aux lois qui ont été imposées pour gouverner le mois de janvier et le reste des mois. C'est de là que tout commence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans Deutéronome 11, les versets 10 à 12, et vous allez, et vous finissez même le verset, donc, disons, verset 8 jusqu'au verset 12, vous comprenez que Dieu informe un élément. Il dit que lorsque le peuple respectera, c'est-à-dire son peuple respectera ses lois, ces lois-là vont lui donner, vont leur donner la force de pouvoir entrer en possession de leur héritage. Et Dieu précise qu'il aura les regards du début jusqu'à la fin de cette année sur leur héritage qui est leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, l'objectif d'entrer dans le nouvel an, ce n'est pas seulement rentrer et crier bonne année, mais c'est entrer en possession des bénédictions que le Seigneur réservera à chacun de nous dans le nouvel an. Mais par mégarde, ceux qui ne vont pas rentrer dans le nouvel an avec Jésus, bien-aimés, ils ne verront pas ces bénédictions de Dieu. Ils vont au contraire subir la programmation mentale satanique. C'est pour cette raison, pour votre gouverne. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, dans cet espace-là, Satan organise une réunion mondiale dans son royaume. Et c'est lui qui dirige les réunions. Et ils vous font des programmations sur les événements qui doivent se réaliser selon leur goût dans notre monde. Et ces événements concernent tous les domaines de la vie sans exception. Ils vont choisir, concernant le football, quelle sera l'équipe qui pourra prendre la Coupe du Monde cette année? Quelle sera l'équipe qui prendra tel championnat? Quelle sera l'équipe qui va remporter telle coupe, etc. Tout cela est d'avance programmé dans ces réunions du 31 au, de décembre au 1er janvier. Ce sont des réunions dans cette nuit-là qui sont préparées. Voilà pourquoi il est toujours demandé pendant cette période que nous soyons toujours en prière, que nous ne puissions pas baisser la garde, nous devons toujours veiller et prier pour ne pas tomber dans ces tentations. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que Satan est un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et pour mettre en application les conclusions qui sont prises dans ces réunions de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y a des démons que Satan mandate pour pouvoir veiller à l'application stricte de ces lois. C'est pour cette raison, je voudrais vous informer en passant concernant certaines décisions qui ont été prises dans le monde de Satan qui doivent s'exécuter dans le mois de janvier 2022 que vous et moi venons de commencer. Dans le monde entier, parmi les points, il y en a plusieurs, je vous cite certains points que le Seigneur a eu à me révéler. Alors, parmi ces programmations, il y a, comment on peut appeler ça? Il y a l'augmentation du taux des avortements, autrement dit des fausses couches. Vous allez remarquer, je dis dans le monde entier et dans tous les continents. Les femmes qui n'auront pas Christ avec eux seront victimes de fausses couches. Il y aura des avortements qui seront également intensifiés. Il y aura, deuxième point, parmi les points, la mortalité infantile va croître davantage. Parmi les points, il y aura d'autres moyens efficaces qui seront mis en place pour exécuter le plan que le monde de Satan appelle par la surpopulation.
C'est quoi la surpopulation? La surpopulation est un concept qui a été conçu dans le monde de Satan. C'est tout un projet qui a pour objectif de réduire la population mondiale. Parce que les agents Satan trompent les gens en disant que au fur et à mesure qu'il y a des gens augmentent, nous sommes 7 milliards, au fur et à mesure que les années avancent, la Terre sera incapable de contenir toutes ces personnes qui ne font que naître. Donc, pour éviter des surcharges, il faudrait procéder à l'élimination de certaines populations. Et pour cela, ils vont mettre en place d'autres moyens plus efficaces. Pour ceux qui ont bonne mémoire, j'ai eu à enseigner à l'église au début du mois de janvier. J'ai eu à prendre, faire, je crois, une semaine, commençant du 2 jusqu'à partir du 2 janvier 2020. J'ai fait des enseignements annonçant aux gens ce qui allait arriver. Malheureusement, les gens ne m'ont pas cru. Déjà même avant janvier 2020, pendant le mois de, je crois, juillet, si encore bonne mémoire, juillet 2020, j'ai annoncé, disons même 2020, mais avant janvier 2020, disons pendant que nous étions au mois de, dans l'année 2019, je crois les 6 derniers mois, il y a eu une épidémie au Congo-Brazzaville où je suis, qu'on appelait le palu chikungunya, que chez nous nous avons appelé palu pongo. J'ai prêché dessus, j'ai annoncé aux gens que après cet événement de cette épidémie dans le pays, une grande épidémie va s'abattre sur le monde. J'ai dit aux gens, faites attention, je vois une grande épidémie qui sera plus terrifiante que le palu chikungunya. Certains bien-aimés, lorsque la pandémie du corona a été annoncée, ceux qui étaient sensibles me l'ont rappelé. Pour dire quoi, bien-aimés? Le coronavirus, toutes les pandémies que vous voyez ne relèvent pas de la volonté humaine. Ce sont des projets qui sont déjà conçus pour déstabiliser l'homme afin qu'ils exécutent leur plan sur la dépopulation, qu'ils appellent surpopulation. Voilà pourquoi on crée toutes ces choses pour nous détruire. On nous crée des faux vaccins, on crée des guerres, des troubles, on crée des troupes terroristes pour divertir le monde. Vous croyez que les mouvements terroristes que nous rencontrons dans le monde, que ce sont des gens qui se lèvent d'eux-mêmes pour faire ce qu'ils font, c'est faux. Tout ça manigancé depuis le monde de Satan, parce que je vous apprends, il n'y a aucun groupe terroriste qui naît dans le néant. Tous les groupes terroristes qui naissent sont créés, soit par les politiciens du pays, soit par l'ONU, soit par l'Union Européenne, ou soit par les États-Unis, ou par la France. Ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des réalités secrètes de la politique. Le temps du jour viendra, nous en parlerons en détail. Donc, je répète le point que le Seigneur m'a révélé au mois de janvier, et ça pourrait se poursuivre également. Mais ça commence en janvier. Les femmes enceintes doivent beaucoup prier. Les parents doivent également beaucoup prier pour les enfants, parce qu'il y aura les mortalités infantiles qui vont croître et plusieurs personnes vont mourir également. Pourquoi les enfants vont croître? Plutôt, pourquoi le taux de mortalité infantile va croître et pourquoi les femmes enceintes seront plus victimes des avortements? C'est pour remplir ce que le monde des ténèbres appelle la banque de sang de Satan. Je parle de la banque de sang de Satan. Ça aussi, c'est un point que nous allons développer dans les jours qui suivent. Parce que sachez seulement, Satan a ses banques de sang. Donc, il n'aime pas que ses banques de sang, dans ses banques de sang, le sang dans sa cuve puisse diminuer. Il faut toujours que cette cuve soit remplie de sang. Soit remplie de sang. Voilà, bien-aimés, nous devions prendre conscience de ces choses que je vous présente. Parce que 2022, c'est une année de visitation divine
Comme l'avons dit dans nos vidéos précédentes, lorsque Dieu se lève pour visiter son peuple, Satan aussi se lève pour empêcher à ce peuple de comprendre l'heure de sa visitation. Nombreux vont crier bonne année, mais plusieurs ne se rendront pas compte que Satan sera derrière pour les empêcher de jouir de cette bonne année. Parmi toujours les stratégies mises en place, Satan va mettre en place des stratégies nuisibles pour rendre les saints, c'est-à-dire les saints en Christ, les chrétiens, plus vulnérables. C'est ce qu'eux, ils ont surnommé dans leur monde la guerre contre les saints. C'est ce qu'ils ont dénommé ce projet, la guerre contre les saints. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup prier pour les saints, parce que la persécution sera grande. Nous devons beaucoup plus prier pour les saints, et prier surtout pour les chrétiens de l'Inde, du pays qu'on appelle l'Inde. Ils seront beaucoup persécutés. Faites attention, prions, bien-aimés, que Dieu vienne nous visiter dans notre état d'attente, dans la prière, qu'il vienne te trouver dans la prière, qu'il te visite, ça fera du bien. Parce que s'il vient te trouver dans une autre attitude, ça ne fera pas du bien. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous parlons de ce démon de janvier. Les plans qui doivent s'exécuter, commençant du mois de janvier et jusqu'à je ne sais pas. Alors, bien-aimés, parlons toujours des fonctions de charité du démon Bélial ou du démon de janvier. Sachez que le démon en question est également appelé Dieu le Père. Il est également appelé Dieu le Père. Et dans cette fonction du Dieu le Père, le monde satanique l'appelle le Dieu du choix. Pourquoi le Dieu du choix? De quel choix? Le Dieu du choix. Le choix de quoi? Le choix de réussir, le choix de ne pas réussir. Le choix de prospérer, le choix de ne pas prospérer. Le choix d'être en bonne santé, le choix de ne pas être en bonne santé. Et c'est ici, ce choix, cette option est réservée particulièrement à tous ceux qui appartiennent au monde occulte. C'est-à-dire, je parle des magiciens, des occultistes, des sorciers. Donc, en fait, tous ceux qui sont dans les pratiques occultes. Ici, c'est l'option qui les concerne tous. Et devant eux, le dieu Bélial, Janus, se présente comme Dieu le Père. Il se présente ici maintenant comme le dieu des choix et des portes. Et c'est ici que tous les satanistes, les sorciers, les magiciens, tous ceux qui sont dans les pratiques, les sciences occultes, au début de l'année, pendant que vous et moi, nous allons célébrer la bonne année, la nuit, chacun d'eux doit se présenter devant le démon Bélial ou Janus pour présenter ses offrandes de fin d'année. Pourquoi offrande de fin d'année? C'est pour lui rendre des actions de grâce pour toutes les faveurs, les dignités, les promotions qu'il leur a accordées courant le mois précédent. Et pour solliciter également son aide, qu'il fasse encore plus dans la nouvelle année qui commence. Voilà l'objectif de ces offrandes de fin d'année. Et ces offrandes de fin d'année, je vous informe, ce ne sont pas les cadeaux que vous faites, c'est de la chair humaine et du sang qu'ils doivent apporter à Satan. Lorsque je parle de la chair humaine, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent être sacrifiés, tués. On doit l'amener dans le monde satanique pour être mangé, comme nous mangeons de la chair, des viandes naturellement. Le sang de niveau. Ils doivent boire le sang humain. Et d'un autre côté, ils doivent prendre des vies des gens. C'est-à-dire, ils doivent prendre déjà. Les satanistes doivent l'offrir en avance, ce qu'on peut appeler les grâces des gens, leur bénédiction, leur prospérité, leur réussite, leur avancement, leur promotion. En fait, tout ce qui a trait au bonheur des gens. Donc, chaque agent du diable, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis, que ça soit à l'Océanie, en Asie, partout au monde,
qu'il soit blanc, noir, jaune ou comme vous pouvez le constater, tout celui qui se reconnaît agent de Satan, dans la nuit du 1er janvier, la nuit, ils vont aller dans le royaume des ténèbres pour offrir au dieu Janus, le dieu de janvier, ils vont lui donner ses sacrifices humains et le sang humain et les grâces et les vies des gens. C'est-à-dire, déjà, rien que le 1er janvier, les satanistes de famille, ils vont voir dans la famille qui a une grâce, il va amener ta grâce au nom de Satan. Toi qui devais avoir du travail ou la promotion, il va amener ça chez Satan. Toi qui devais mettre au monde, il amène. Donc, c'est comme si on t'est dépouillé des bienfaits, des grâces qui t'attendent, qui sont à toi. Certains appellent ça des étoiles. Ils vont amener dans le monde de Satan. Et tu rentres dans la nouvelle année, tu constates que les choses ne marchent plus. Parce que déjà, ce qui était pour toi comme bien, ce qui était pour toi comme source de développement sera sacrifié dans le monde de Satan, entre les mains du démon Bélial ou le démon Janus. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. C'est pourquoi encore, tu dois prier, toi qui rentres dans cette nouvelle année. Tu dois prier, prie, sinon ta bénédiction te sera ravie par un sataniste de ta maison, par un sataniste de ta famille, pour aller l'offrir à Satan. C'est pourquoi si tu constates que dans cette année, les combats se multiplient, les choses ne marchent pas, frères, sœurs, rentre dans la prière. Fais une prière de réclamation. Peut-être que par distraction, tu t'es distrait et ton bonheur a été volé et sacrifié entre les mains de mon Janus. À toi simplement de recourir au Dieu Jésus-Christ, qui est le maître éteint des circonstances, pour qu'il te donne, te récupère ce qui te sera volé. Voilà les choses qu'il faut partager afin de pouvoir vous faire comprendre ces choses-là. C'est pourquoi vous allez remarquer le mois de janvier dans le monde entier, c'est un mois que les gens appellent le mois de galère parce que c'est dans ce mois, l'argent ne circule pas. C'est un mois que les gens trouvent bizarre. L'argent ne circule pas, les choses deviennent difficiles. Voilà ici, vous dire bien-aimés, prions, c'est le moment de nous lever dans la prière. Voilà bien-aimés, certaines réalités qui influencent le mois de janvier. Mais la plupart ne se rendent pas compte de cela. Cette réalité-là, de ces démons mensuels, comment ça se passe? Il n'y a que ceux qui sont sensibles qui font le constat. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous pour vous dire 2022, ce n'est pas le mois de la distraction. C'est le mois de la visite divine. Et d'un autre côté, l'ennemi aussi viendra pour combattre. Donc, bien-aimés, c'est le moment de se lever dans la prière. Passez votre bonne année en Christ. Ne le passez pas comme les païens. Parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Il cherche simplement une occasion. Le démon Janus Bélial est là aussi. Il cherche l'occasion pour entrer afin de t'imposer le dictat de Satan qui va contrôler ta vie tout le long de ce mois de janvier. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans mon WhatsApp, posez-le-moi dans les commentaires sur YouTube, likez la vidéo, partagez massivement, organisez également, j'allais oublier, des cellules, des prières de famille, c'est une bonne chose, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.